Ce matin, Plastique a emmené 20 policiers de la BRI avec lui. Tous portent leur cagoule pour éviter d'être identifiés par les suspects. Les kidnappeurs présumés vivent tous dans une cité très sensible de la Courneuve. Les policiers prennent le maximum de précautions, car ils peuvent à tout moment être repérés, même à 6 h du matin. Oh, c'est ce qu'on appelle les choufs. Ce sont des gens de la cité pour prévenir de notre arrivée, parce que c'est des points de deal ici qui marchent jour et nuit. Ça se réveille vite après dans la cité. Donc. Cet équipement de guerre permet d'entrer partout en quelques secondes. Les suspects sont sans doute armés. L'objectif est de les neutraliser avant qu'ils n'aient le temps de réagir. Donc tu fermes la marche ? Ok. La présence d'un médecin est obligatoire pour ces interventions à haut risque. Dans son sac, le nécessaire en cas de blessure par balle. Thierry, c'est bon pour tous. Les policiers veulent arrêter les quatre hommes simultanément. Les nouvelles circulent très vite et ils veulent empêcher que certains suspects, prévenus de l'opération, ne prennent la fuite. Les hommes de la BRI seront les premiers à pénétrer dans les appartements. Ils savent qu'une fois la porte enfoncée, les 15 premières secondes sont décisives. 6 heures, l'heure légale pour intervenir. Oh. Police, police, tire-toi de la porte. Derrière la porte, un homme, le père de l'un des criminels présumés. Mais son fils a quitté l'appartement. Au même moment, dans un immeuble voisin. Il n'y a personne là-dedans. Vraiment, c'est vide. Hein. C'est vide. Il y avait du monde il n'y a pas très longtemps. C'était déjà ouvert. Les policiers pensent que celui qu'ils cherchent les a repérés. Par la fenêtre, une vue plongeante sur le parking. Il y avait du monde en bas, non, mais c'est... Ouais, non, c'est mort. Ils nous ont vu arriver, quoi. Les deux portes, c'est dehors. Ouais. Il y avait quelqu'un, apparemment, qui a quitté les lieux il y a très peu de temps. Peut-être été averti. Pour l'instant, deux suspects sur quatre ont déjà pris la fuite. Dans ce lit, avec le polo à rayures, l'un des kidnappeurs présumés. L'homme résiste, mais est maîtrisé. Il sait qu'il encourt 20 ans de prison pour enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. Quatrième et dernier appartement. Couchez-vous ! Rentrez dans la pièce, là, madame. C'est okay. Quoi ? Cette fois, la police, la famille du suspect est surprise en plein sommeil. Ok, continuez là-bas, c'est bon. Vous restez là, madame. Ouais, c'est bon. Mais pas de traces du délinquant. Seul l'un des kidnappeurs présumés a été interpellé. Les trois autres sont aujourd'hui toujours en cavale, probablement à l'étranger. Bredouille. Tout le monde est parti avant notre arrivée. Fin de mission pour Plastique et ses hommes. Retour service. Tenue civile et planque. Petit café avant quand même.